Et bonsoir à vous et bienvenue pour la suite de Ace Combat 2. En ma compagnie, je suis Rock et c'est un véritable plaisir pour moi de continuer ce let's play. La bonne phrase enregistrée par cœur. Alors, un F117A qu'on a gagné du coup, le fameux pizza que moi j'appelais quand j'étais enfant. Je le lisais pizza parce que c'était sur le petit écran. Ah là là, trop rigolo. Alors, on a réussi cette mission secondaire, du coup, on a tué Monsieur Talman et puis la madame, ou en tout cas le monsieur, nécessairement, je pense que c'est que des mecs qui pilotent les avions sans vouloir être machistes, hein, mais c'est vrai. Et l'autre, c'était Monsieur Sphere, je crois, c'est ça, bon, c'est marqué au-dessus Metal Sphere, c'était leur nom de code, du coup, c'est trop stylé. Et on a donc obtenu une mission secondaire, ou du moins une mission spéciale, enfin, une récompense spéciale, que vous voyez ici, du coup. Alors. Donc on a gagné le Fizza si on veut, mais moi j'ai pas trop envie d'aller l'acheter, ça m'intéresse pas trop. Ah, Toy Box, je me rappelle de cette mission là, ça m'a dit quelque chose, ouais. Je crois que c'est là où il y a d'autres Fizzas justement, on va en croiser d'autres. Il y en aura pas mal, il me semble. Hein. Destroy the enemy's prototype bomber. Détruire le prototype de bombardier ennemi, ok. Parce que c'est un prototype qui vole, oh là là. Allez, on est parti. Le briefing. Destroying the enemy's prototype bomber. From the data found in the enemy's arms production base, we have discovered that a prototype bomber is currently in development. According to our data, development of this experimental airplane is nearing completion, and the project has been moved to a facility in Cremona Islands for the final stages of fine-tuning. It would be a great threat to us if they are able to roll out these new bombers. We want you to attack the production hangar, seek out the prototype bomber, and destroy it. Target, the prototype bomber. Ça marche comme. Experimental plane is probably housed in one of the hangars lining the base. First, dans l'un des hangars, donc vous coupez tout l'hangar, quoi. The exact location of the plane. Ça marche. Donc comme vous avez pu regarder peut-être un petit peu avant, là il y avait des sortes d'avions à moitié avec des symboles de vaches, enfin ils étaient blancs avec des taches noires, c'est marrant. Donc ça c'est les fameux pizzas, les fameuses FISA là, les INF117A. On va aller les défoncer. Alors pareil, support, nos supports. Hedge. Mais non, je ne veux pas avoir de femme dans mon équipage, je ne veux pas qu'elle me prenne des points, elle restera à la base. Pendant que les hommes iront se battre. Mais surtout parce que c'est une question de points, j'ai pas envie qu'elle meure et j'ai pas surtout envie qu'elle me coûte des points ou qu'elle m'envole potentiellement. Faut que je fasse tout seul, comme ça j'ai un max de points. C'est un peu con, hein, mais bon. Je sais pas si ça vaudrait le coup d'utiliser en mode difficile du jeu, c'est une très bonne question, j'ai jamais testé. Toy Box, la boîte à jouets. J'avoue qu'il faudrait tester. Mais ce sera pour une autre fois. Là, je fais tout en solo! Yeah! Putain, je l'ai raté, il est pas mort. Enfin, je l'ai touché, mais il est pas mort. Un missile qui a raté, l'autre qui a touché. Allez hop, ça dégage! Boum! Je crois que je l'ai. Mince, il s'y tourne trop, je n'aurais pas. Nice, il s'est arrêté. Nice. Donc on n'oublie pas, il y avait des petits pizzas sur la partie gauche de l'île, on essaiera de les trouver. On va y aller tout de suite d'ailleurs, je vais aller par là. Ah, il y a un truc tout debout à défoncer. Putain, c'est long. Ah, il y a des pizzas au-dessus de nous, vous avez vu? On est à droite aussi, ok. Ah, c'est ça, c'est les pizzas. On attend. Tata, c'est bon. On attend, recharge. Hop, hop, un autre missile. Deux missiles, c'est bon, on accélère. Ah, l'enfoiré, il bouge trop. Non. Yes, c'est bon, on l'a eu. Attends, on tire des missiles dessus. Ah! Fuyons! Oh mince, il est en dessous, je pensais pas qu'il était en dessous. Putain, il vole vachement bas. Hein. Allez, ça dégage.
Bandit à 6h. Allez, viens de face, toi, viens de face. Tente. Oh putain, foiré. Putain, j'ai tiré 2 missiles, alors fait chier, j'ai gaspillé mes missiles, ça fait chier. Et genre, il a vraiment essayé de tirer sur son pote, celui-là, ou... Mince, il faudrait que j'accélère un peu, quand même. T'es rapide, l'enfoiré. Arrête, toi, salaud. C'est bon. Ah non, c'est pas bon, dommage. J'essaie de l'avoir à la mitraillette, mais c'est chaud. Ah, je crois que c'est bon. Encore un troisième missile, la vache. Putain, il commence à prendre de la distance, l'enfoiré. Putain, mais il est trop fort. C'est bon. Yes. Oh, 47 missiles, ils sont tellement nombreux encore. On n'accélère pas. C'est bon. Yes. Putain, mais j'arrive pas à les one-shot de front, c'est chiant. Putain, c'est fou comme ils sont résistants, ces enfoirés. Non, au début du jeu, je les one-shotais de front. Ok, c'est nice. Attends, on est vachement loin de la base du coup. Et j'ai encore plein d'avions à défoncer. Faut que je fasse gaffe à mes missiles par contre. 44, ça commence à... C'est bon. Toujours pas one shot. Oh, mais c'est... je pensais vraiment que les deux missiles touchaient. Ok, ici, là en bas, faudra pas que j'oublie l'autre connard qui s'est barré. Ok, il est derrière nous, de toute façon, il nous pourchasse, donc on pourra pas le rater. On va le tuer après coup. Peut-être qu'on peut lui faire un one-shot de face, peut-être. On va en mettre qu'un seul cette fois-ci, on va pas se tromper. Oh putain, on l'a raté en plus. Dommage. Allez, ça, ça dégage. Il y en avait un autre, mais je l'ai raté. Je sais pas où est-ce qu'il est, putain, l'enfoiré. Il y avait un troisième, mais je sais pas où est-ce qu'il est, le blanc, là. Ah, zut, j'ai peur qu'on l'ait perdu. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais il me semble qu'il y en avait un. Bon, tant pis. Quoi, je l'ai raté? Ah oui, c'est vrai qu'il y a des trucs ici, c'est marrant. Oh merde, non, c'est bon, je l'ai eu. Il me reste pas beaucoup de missiles, faut que j'essaie d'économiser. Faut que j'essaie de détruire la mitraillette, ceux-là. Si je peux, bien sûr. Ok, il y a un avion qui nous pourchasse ici, faut que j'essaie de l'avoir. Mais d'abord, on va s'occuper de ça. Attendez, il y a celui-là d'abord. Putain, mais la mitraillette, ça pue la merde. Je peux pas focus dessus, c'est chiant. Oh, un tout petit. Oh, on l'a pas vu celui-là, le FISA. Il est discret dans le radar. On attend bien, on est patient. On gaspille pas les munitions. Et on attaque. Ça, c'est bien timé. Ok, t'es par là, l'enculé. Monsieur GF2A. Nanana. On freine. Pas trop quand même, sinon on va décrocher. Là, j'attends. C'est bon. Oh, il y en a encore un autre. Non mais à croire que dès que j'ai trouvé un avion, il y en a un autre qui spawn tout de suite sur ma position, c'est fou. Et encore un pizza, tiens. Encore un. Encore une petite pizza. Allez hop, ça dégage. Oh, j'ai failli me le prendre.
J'aurais été très 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 triste d'échouer cette mission. On va tuer le mec à gauche avec un missile et on va essayer de tirer sur le target avec la mitraillette. Bon. J'ai un peu raté, j'avoue. Eh merde, j'ai gaspillé un missile. Quel con. Encore 22 missiles. Ça devrait le faire, remarque, vu la quantité que j'ai encore à défoncer. Allez, la tour. On va défoncer la mitraillette ici. On va essayer de l'avoir à la mitraillette, mais je garantis pas que je puisse l'avoir. Hein. Il prend 0 dégâts. Un missile, pas le choix. Putain, je vais rentrer à la base, j'aurai plus aucun missile là. Est-ce qu'ils vont me faire payer ça ou pas? Je pense pas quand même. Non, je t'ai raté, genre. Oh, j'étais pas en focus dessus, c'est chiant. Il reste une tourelle et c'est celle qui me tire dessus et je n'ai même pas pu me mettre en focus dessus, c'est chiant. Putain, mais c'est chiant, mais je veux le focus sur cet enfoiré. Il me reste moitié d'essence, c'est chiant. Bon, ça devrait être facile, hein, il n'y a plus que ça à défoncer ici. Putain, mais ils sont résistants ces putains de... Ces putains de hangars, ils sont vachement résistants. J'ai voulu leur tirer dessus avec la mitraillette. Putain, mais le focus. On va faire 10 allers-retours avant de réussir à détruire les 6 putains de trucs à détruire. Mon mitraillette pour celui-là, j'avais déjà tapé tout à l'heure. Oh, c'est un scandale! Oh! Attends, mais je vais taper combien de temps comme ça? Il y aura des renforts qui vont se ramener, je vais arriver en retard là. Enfin, je vais pas réussir à la faire à temps cette mission. Ah ouais, on a réussi, nice! What? Oh, on a repéré, on s'est vu, on a repéré le bon hangar. Il est devenu rouge du coup. Mais je veux pas ça. Je veux défoncer la tour, s'il vous plaît. Il y a un seul truc que je veux toucher, c'est la tour de défense. Et ce connard me met jamais en focus dessus. Putain. Encore, regardez ça. Je veux me mettre en focus sur cette putain de tour. Ah, c'est chaud, je vous jure, quelle merde. Allez, on enchaîne. Mais non, mais je suis là! Mais je suis dessus! Je vous jure! Le machin est à gauche, il me l'a mis en focus. J'étais tellement loin en plus. C'est un scandale. Bon, là, je tournais dans ce sens-là, du coup, il va pas m'enculer, le radar là. Il va automatiquement me mettre sur la tour, c'est sûr. Voilà, connard. On reste un peu à gauche, on tourne d'un coup. Voilà, putain, je l'ai raté, mais niquez vos morts. C'est un scandale. Putain, on n'est pas aidé. Hein. C'est bon. Incroyable. Et on a raté. Allez, hop, de cet angle-là, on va essayer de l'avoir. On a tapé sur les murs, je crois. Voilà. Ok, pizza.
Putain, c'était pas facile, hein. Il nous restait que 6 missiles à la fin quand on a gagné. Putain. Oh le merdier, regardez-moi le nombre de tours que j'aurais fait ici. Oh. Putain, j'aurais pris un temps de fou à faire cette mission. Hop. Ça en fait un paquet. 162 000, zéro dégâts. Je me suis bien émerdé. Chief Master Sergeant. Le RM01. Oh la vache, la médaille de feu, stylé. Oh, il est beau cet avion, putain. Oh, il a la classe. J'essaierai d'acheter le XFA-27 quand je l'aurai sur une mission sur une mission spéciale du jeu, mais ce sera pas facile. Je sais pas si je réussirai à l'obtenir, mais j'essaierai. Seagull, donc Seagull en anglais, ce sont les mouettes, si je dis pas de bêtises, ou les goélands. Je sais pas la traduction entre les deux, mais c'est l'un des deux. Et donc là, c'est la fameuse mission dont je vous parlais juste un peu avant, là. Le fameux océan de feu. Ça rend trop trop bien. Assaut contre la flotte mobile. Assault of the mobile fleet. We have received information that the enemy's mobile fleet is on the move. They seem to be ready to rally immediately after joining forces with their frontline troops. Your mission this time is to attack the enemy's mobile fleet and put a stop to the sea invasion operation. Target. The enemy's mobile fleet. The Aegis cruiser's firepower capability is immense. Try to avoid being caught in its sights and use the hit and breakaway operation. Eh oui, c'est vrai que les porte-avions, c'est très puissant. Cette mission, à la fin, quand on aura gagné, si on gagne, hein, bien sûr, on aura une partie secondaire qui permet de se poser sur le porte-avions. Je l'ai réussi une fois dans ma vie et j'ai dû la recommencer 40 fois, je crois. Donc je la ferai pas, hein, je la passerai. Mais c'est super dur, on a le choix de passer heureusement, mais c'est trop trop dur, genre vraiment c'est un merdier, genre. Mais c'est rigolo qu'ils aient mis ça en place. Alors pareil, le support, nos supports, est-ce que ça a changé de mec ou pas? Non, c'est toujours Edge et Slash. Allez, on part en solo encore, le F-14, après le MiG-29, il est beau ce putain, putain j'adore cette couleur quoi. Oh. Et moi je suis parti sur celui-ci, le F-14, parce qu'il est vraiment vraiment fort. Il a de très très bonnes statistiques. Seagull. L'opération mouette. Ah, regardez-moi ça. Bon, j'avoue, je parlais d'océan de feu, c'était pas... c'était un grand mot, quand même. Peut-être pas exagéré non plus, mais... mais ça reste joli. Salaud! T'es mais là rapide l'enfoiré. Salaud! Allez arrête! Voilà. Écoutez la zik. Elle est incroyable cette musique. Ah, c'est un Zoé, je crois, non? J'ai cru voir ça. Oh, ça, c'est un avion spécial, ça. Il va me rapporter des points, cet enfoiré. C'est bon. Ah, j'ai vu des mecs, là, ici. On fonce en ligne droite, on va faire un face-to-face. Ah! Oh, j'ai raté, genre. Dommage. C'est bon, je pense que je l'ai. Oh, l'enfoiré! Il a bien wedge. Il a bien wedge l'enfoiré. Il a réussi à me bait plusieurs fois.
ennemi ciblé. Locking target. Eliminating target. Allez, ça dégage. Un vrai bro, un vrai BG, il ne regarde pas quand il détruit, il se casse et tourne le dos à son missile. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Merde. Ah, je suis trop bas. Je me fais tirer dessus. Tout seul contre une flotte. Je crois que j'ai rien. Putain, j'ai pris de la mitraillette, j'ai réussi à rien toucher en plus, je suis dégoûté, j'ai failli crever. C'est un scandale. J'ai la haine, hein. Ah, l'enfoiré, il a bien joué. Plus t'es prêt, plus c'est simple. Bon, maintenant il va falloir galérer pour réussir à avoir les cibles au sol, elles sont pas si simples. Putain, il veut pas que je chope celui-là, hein. L'autre. Putain, et en plus je l'ai raté. J'ai pris des dégâts et en plus je l'ai raté. C'est un scandale. Merde. Putain. Oh, en plus je prends des dégâts, c'est un scandale. Putain, je pensais que j'étais large là pour pouvoir tourner. Chien. Salaud. Oh, il y a des avions dis donc par là. On va se mettre sur le côté, comme ça on va pouvoir décaler d'un coup. Aïe. On décale. Yes. On va s'occuper des avions maintenant. Un F-14 comme moi. Enfin, on va essayer en tout cas. Oh, il y a tellement de nouveaux avions. Hop, ça dégage, n'est-ce pas? C'est bon. Oh, ils ont plein d'avions qui sont partis de leur truc. Ça m'a rapporté plein de points, ça. Après, je suis à 57%. Faut quand même que je fasse gaffe. J'ai encore pris des dégâts, fait chier. Mais moi je l'ai tué, c'est cool. Non, reviens ici. Yes, boum. Ah bah lui il est tout de suite directement sur ma position, c'est parfait. Ici, donne-moi ton petit cul. Tu ne pourras pas toujours m'échapper. Tu es un bon pilote, mais je suis meilleur que toi, Boba. Tant qu'à faire, j'en profite pour aller taper ce truc. Et on dégage. Du coup, j'ai défoncé le blanc ou pas? J'ai l'impression que ouais, mais on le voit pas. Peut-être que le blanc est compris dans le rouge en fait. Quand tu détruis le rouge, tu détruis le blanc avec. On a 66% de fuel. 62% de dégâts, donc on est encore bien. Merde. Ah, ils sont rapides les enfoirés. Ah, je me trompe de touche. Je monte. Toi, t'es mort. Ça dégage. Oh, il est pas mort, l'enfoiré. Ok, nice, bullseye.
Oh, Hangman, mission secondaire, pareil, avec un nom spécifique, on voit. Je pense que je l'ai, je pense. Tain, il est rapide, hein. Faut que je le rattrape un peu. Non, c'est bon. Ok, bon, on a tué tout le monde, c'est cool. Dans mes souvenirs, c'était beaucoup plus orangé, l'océan. Peut-être que c'est pas la même mission, écoutez. Mais je sais pas. Il me semblait que c'était beaucoup plus orange que ça. Hein. Ah non, celui-là. Celui-là, on l'a déjà défoncé, c'est vrai. Doit être celui derrière, je pense. Doit être celui-là. Ouais, c'est ça. On se met un peu à gauche, un peu à droite comme ça, on avance. On accélère. Non, je l'ai raté, merde, j'ai tiré trop vite. Putain, non, 75%, je vais crever avec ce dernier. Oh, putain, vache. Comment je vais faire pour l'avoir? J'arrive pas à lui tirer dessus. Et en plus, je suis en focus sur le blanc. Putain, fais chier. Putain, je suis vraiment dans la merde. Fait chier, 85. Ah, je sais même pas si j'ai réussi à en avoir un sur les trois. Ah, j'ai peur que ce soit de game over. Putain, j'ai tellement fait de boulot en plus, c'est dégueulasse. Mais non, je passe celui-là, putain. Fait chier, putain, je suis dans la merde. Putain, je peux pas prendre de dégâts davantage là. J'ai plus assez de missiles, c'est trop dur. Peut-être que je pourrais essayer de lui coller au cul, peut-être. Il va dans quelle direction cet enfoiré? C'est pas facile à voir, mais je pourrais peut-être essayer d'être derrière lui, peut-être direct. On va faire ça. On va essayer de le follow et de tirer des missiles dans la même direction, dans la vitesse... Putain, merde, il est où? Attends, 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 merde. Ah, le con. Non, je l'ai raté, c'est pas possible. 85% en plus, du coup, je suis dans la merde. J'ai osé tirer des missiles en fait un peu au pif pour essayer de viser, mais c'est pas ça. Enfin, c'est super pas précis. Oh putain, mais je l'ai raté. Mais vous foutez de ma gueule. Bon, faut vraiment que j'essaie de le suivre, hein. On tape au niveau de ses fesses, on va refaire ça, on va accélérer. Là je peux pas le rater, mais quand je risque de crever, faut que je fasse gaffe. Oh putain, j'ai encore pris 5%. Et il a pas touché. Putain. Est-ce que je peux pas tenter de l'avoir à la mitraillette à distance? Y a pas de chance, ça m'étonnerait, c'est imprécis du cul ce truc. Jamais de la vie je l'ai ici. Non mais je l'aurais jamais. Oh putain, fais chier. Je suis vraiment dans la merde. Oh putain, yes. Oh l'enfoiré. Oh, j'étais loin, j'étais pas loin de la mort, hein. Putain. Ah. Brings her in. Pilote automatique désactivé. Je peux pas l'annuler? Oh non, mais c'est trop dur à faire, je voulais pas la faire. Je peux pas quitter? Mec, c'est impossible. C'est impossible de réussir celle-là. Je peux même pas quitter le mode caméra. Oh, je suis un dieu. Bon, bah écoutez, 2 fois sur 40 hein, dans toute ma vie. Hein. Je voulais essayer de me mettre en caméra externe, mais j'arrivais pas. Oh, putain, mais je suis trop fort.
Quand j'étais petit, je me crachais à chaque fois. C'était trop rapide ou trop machin. En même temps, je savais pas comment ça fonctionnait ce système. Mais depuis, j'ai regardé des films. Hein. Notamment, j'ai regardé un film qui a dû être inspiré par ce jeu, ou plutôt ce jeu qui a été inspiré par ce film. C'est plutôt comme ça. En la personne de Top Gun, enfin, au film de Top Gun que je vous conseille vivement si vous ne l'avez pas vu, parce que c'est un des meilleurs films au monde, clairement. Enfin, après, faut aimer les avions. Hein, mais... Oh la vache, 200 000 points! Oh, la mission, elle est sympa. Hein. Ça valait le coup de se prendre des dégâts comme ça. Putain, si j'avais pas pris de dégâts, je serais quasiment à 200 000 piles. Oh, c'est insane. Warrant, non, Warrant Officer. Oh là là. Hangman also die. Hangman also die. Je sais plus ce que c'est hangman en anglais. Mais also die, bien sûr, donc les hommes de poigne également meurent, un truc comme ça. Et on a gagné un EF2000. Stylé. Mais j'ai déjà eu cette médaille du Zoé Major. J'avais déjà tué un Zoé. Bon, du coup, je l'ai fois deux. Ah non, c'est pas la même. Ah, t'as Zoé Captain et t'as Zoé Major. Stylé. Elles sont belles, ces médailles. À part celle-là avec un cochon, j'avoue que je la comprends pas trop. Razorback. Hangman also die. Oh, c'était dur, hein. Mais c'était stylé. On a failli crever, mais pff, ça fait du bien de gagner pile poil. One night stand. Une nuit de plus à tenir. Bon. Alors. Breaking into the enemy submarine base. Assault. Donc, assaut contre une base sous-marine ennemie. Donc, là, je crois de souvenir que c'est là où il y a la fameuse mission, qui enfin, la musique qui s'appelle Beer Track, si je dis pas de bêtises. Et c'est une de mes musiques préférées. Mais bon, je dis ça à chaque fois, mais je sais pas si c'est Beer Track à cet endroit-là. On verra bien. Je vous dirai si c'est ça. Breaking into the enemy submarine base. We discovered the enemy submarine base deep Aïe. among the cliffs stretching directly inland from the inlet. We received information from our intelligence division on submarines loaded with deadly cruise missiles. It is considered that this base is likely to be the enemy's main area of operation. We want you to go in for a full attack. Target, the enemy submarine base. Because the air above the base is protected by a similar anti-aircraft missile network to that seen in the Ravine base, flying at a high altitude will be dangerous. Be careful. The cliffs are deep and complex, and any small navigational error could be fatal. Proceed with care and concentrate on your navigation. Proceed with care. Procéder avec attention. Donc là, vous avez regardé, du coup, sur la carte, là, il faut aller à gauche. À un moment donné, il y a un choix entre aller à droite et aller à gauche. Et du coup, il faut aller à gauche pour buter les gens. Il me semble qu'on peut faire des tours ici, non, sur cette carte. On peut faire des boucles, si je me rappelle bien. Mais bon, on va essayer d'éviter si on peut. Take off. Et donc, on va partir sur le côté gauche. Let's go! Hop, et on accélère. On appuie sur Start. One night stand. Ah non, c'est pas la musique dont je parlais, mais bon, elle est trop belle celle-là aussi. De toute façon, toutes les musiques de ce jeu, elles sont divines, vous allez voir, celle-là, elle est magnifique aussi. Oh putain, j'ai les larmes aux yeux, non, je déconne. Mais ça pourrait en vrai. Bon, allez, j'accélère un petit peu. On va freiner un peu. Oh, je vais encore accélérer. Allez, deux faces. Viens ici, le Bing. Bon, je suis pas sûr, donc j'en mets deux au cas où. J'ai bien fait d'en mettre deux. Ils sont où les connards? Un seul missile aurait suffi. Alors on va essayer de faire la boucle, mais c'est pas facile. Oh putain, l'enculé. Putain, mais la carte elle pète les couilles. Barrez-vous avec votre carte pourrie là. Moi je veux tous les tuer, c'est pour ça. Non, ah c'est chaud. Ah. En vrai, je m'étais pas mal démerdé. Hein. Ah, fait chier. Du coup, ça me coûte de l'argent, putain, fait chier.
Mais non, mais j'essaie de tuer tout le monde aussi, vous me faites chier là. Allez, on passe tout ça. Ah putain, bon, il faut bien que j'échoue à un moment donné. Hein. Bon, j'étais pas obligé d'échouer, hein. J'aurais pu continuer, mais je voulais vraiment tous les tuer. Ah, j'ai la haine, putain. C'est chiant. Ah, mais c'est pas facile de tuer tout le monde. Il y a même des reflets sur l'eau, c'est stylé. On voit les étoiles de temps en temps. Des petits points rouges, mais ok. Ou des petits points blancs, mais c'est joli. Ah, cette musique. Bon, s'il faut pas être trop rapide, comme ça on a le temps de buter l'avion et après on bute le mec à gauche, pas à droite. Bullseye. Parce qu'en plus je l'ai raté. Oh putain, je peux pas tourner, fais chier, merde. Donc j'ai raté l'avion et j'ai raté le bateau. Putain, niquez-vous. Quelle arnaque. Et du coup je me fais pourchasser en plus. Oh, bah, allez, niquez-vous mort, hein, c'est bon. Si jamais je monte à la surface, je me fais attaquer direct et je me fais abattre. Donc je peux pas faire un demi-tour comme ça. Bon, tant pis. On va pas mourir 10 fois pour essayer cette mission. Bon, allez, encore le bateau. C'est bon, on l'a eu, incroyable. Oh putain! C'est impossible de tourner sur ce truc de merde, je vous jure, c'est une horreur. Oh putain, ça me pète les couilles. Oui, bon, bah ça va, je vais tous les laisser en vie, puis vous allez niquer vos morts. J'essaie de faire un truc bien et vous me faites chier. Ça se trouve, peut-être qu'avec un avion plus petit, j'arriverai plus facilement à me déplacer, hein, ça se trouve. Cible air, non, ok. Ah, tu peux désactiver les... Ok. Ground et puis machin. Ah, j'ai vraiment la haine, hein. Je suis dégoûté. Putain, j'ai perdu 24 000 balles pour ça. Bon, je pourrais quitter la partie, la relancer et faire comme si j'avais rien perdu, mais... On va la jouer roleplay et on ne fera pas ça. Putain, mais choisir le côté où il y avait le bateau et le rater, c'est un scandale, hein. Passe tortant à me dire de pull out, mais niquez vos morts. Je ne poulerai pas. Comment cet avion peut tenir sur place sans bouger sur ces bizarres? Attitude trop basse, on m'a demandé de voler à basse attitude, hein. Niquez vos morts. J'irai pas plus haut tant que j'ai pas besoin de le faire. Bon, il me semble qu'on peut faire des demi-tours ici, hein, mais il faut vraiment avoir un avion tout petit, très facile à manier. C'est vraiment très très dur sinon. Bon là, je vais à gauche du coup, on essaie de défoncer les avions. C'est vraiment cool ce genre. Des missions de nuit, des missions canyon, des missions de jour, des missions crépuscule avec le feu.
Ah oh, merde, je l'ai raté, je crois. Non, c'est bon, je l'ai eu. Nice, j'ai eu du bol. J'ai tiré un peu trop tard mon deuxième missile, j'ai vu qu'il était pas parti le premier. Bon, bah voilà, je me suis bien démerdé. Hein. On s'en fout des petits bateaux. J'ai envie de vous dire. Oula, il y a beaucoup d'avions pointe. Ça va être chaud. Faut être très lent ici. C'est dangereux, mais faut être très lent si on peut. Et après, on arrivera à la base. C'est cool, il m'attaque pas, c'est con. Je pensais qu'ils étaient face à moi et qu'ils allaient essayer de me taper, mais... C'est bon. On s'est bien démerdé. On a crash deux fois, mais écoutez. Pull up, pull up. Mais j'ai pas monté plus haut que ça. Hein. Allez, je peux aller là si tu veux, mais pas plus. Hein. Bon, j'avoue que je suis bas, mais faut vraiment pas monter trop. Hein. C'est très dangereux. Se faire one shot, c'est pas trop mon kiff. C'est trop stylé ce genre de mission. Étoile de la mort là. Un ras-le-sol. Bon, pareil, là on va arriver dans une phase de jeu à la toute fin. Il faut gagner quoi. Genre, il faut pas se rater. Pff, putain, ça va tourner d'un coup. Deux missiles. Faut pas se rater. Yes, c'est bon. Hop, on arrête, on passe, on va se prendre un mur, sinon je suis sûr. Je ferai pas la même erreur que l'autre fois. Ça rapporte pas grand chose de m'écouter. Second lieutenant. Un FA-18E. Ok, c'est plutôt joli. Moi, je vous avoue que j'attends le F... Comment ça s'appelle déjà, le... XFA-27. Ça, c'est un avion de bâtard. Juste regarder ce que ça a comme tête. Oh, sexy! Et en plus, il a une belle couleur. Je pense que je vais le prendre, écoutez, ça va être sympa. Après, est-ce qu'il est mieux que celui que j'ai actuellement? Je pense, en vrai. Après, il a une belle couleur. Je vais le prendre juste pour la couleur. Puis bon, parce que j'ai beaucoup d'argent. J'ai 700 000 balles, là. Franchement, je peux prendre ma retraite, c'est bon. Hein. Allez, hop, on va s'arrêter là, du coup. Et on se retrouve dans le prochain épisode pour la suite. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi, je m'amuse comme un petit fou. Ça fait vraiment plaisir de retrouver ce petit jeu. Quinzaine d'années que j'ai pas goûté à cette merde. Oh, c'est trop stylé, c'est incroyable. Ça passe vite le temps, bordel. Allez, zou, on se retrouve au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.